Vai, vai com o bumbum tam tam. Vem com o bumbum tam tam tam. Vai, mexe o bumbum tam tam. Vem, desce o bumbum tam tam tam. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Voilà, une vidéo assez importante, du moins. Il fallait que je vous explique quelque chose. Voilà, parce qu'en fait on a changé quelque chose avec ma femme dans notre vie. Donc en fait, je vais vous expliquer. Là, je vais pas tarder à descendre au Gros du Roi. Pour ceux qui me demandaient, ceux qui voulaient savoir. Voilà, je vais pas tarder à descendre au Gros du Roi. Mais en fait, je vais pas reprendre mon magasin. En fait, pas cette année. Du moins, je le garde, hein. Mais pas cette année. Parce qu'en fait, on a décidé avec ma femme de se prendre des bonnes vacances. Et surtout d'aller quelque part magnifique cette année. On s'est dit pourquoi pas toujours travailler, travailler, travailler. Donc on s'est dit on va partir dans un endroit magnifique cette année. On va se prendre des vacances. Et on va vous amener avec nous, on vous fera des vidéos, des vlogs. Mais voilà, là en fait je vais descendre au Gros du Roi dans pas très longtemps. Je vous le dirai exactement quand. Pour aller débarrasser un petit peu mon local, voir un petit peu tout ce que j'ai, aller voir mes amis et tout ça. Parce qu'il me reste un sacré nombre de stocks. D'ailleurs je vous le montrerai, je vous le montre dans la vidéo. Voilà, il me reste du stock. Il me reste plein de trucs, donc je vais aller voir des amis à moi pour voir s'ils veulent pas me les racheter, vous savez, les déposer, tout ça, en attendant cette année, parce que je vais vous expliquer, en fait, quand on part comme ça en saison, franchement, ça fait des années que je pars en saison, moi, et quand on part comme ça, c'est dur, parce qu'on laisse sa femme, on laisse sa fille, du moins là, ma fille, quoi, mais si on a des enfants, des trucs comme ça, on laisse nos femmes, nos enfants, parce qu'ils ont l'école. Ils ont l'école, voilà, il n'y a que juillet, août, donc on part quand même pendant 6 mois, on fait du 7 sur 7. Et on travaille de 10h du matin jusqu'à minuit le soir. Donc je peux vous dire, c'est dur, dur, dur. En plus, vous imaginez la chaleur qu'il fait l'été, il fait 30 degrés. Dans ces magasins, bon, on a la clim, hein, mais je vous montrerai le magasin et tout. Mais c'est franchement, c'est pas insupportable, on va pas se mentir. C'est un travail comme un autre. Mais voilà, ça reste assez dur quand même. C'est comme quand on fait les marchés et tout, ça reste assez dur aussi. Vous savez pas, vous croyez que c'est pas dur, mais les marchés, tout ça, c'est dur. Des magasins comme ça, c'est dur de tenir un magasin, c'est compliqué, surtout je vous dis, on fait du 7 sur 7 l'été, 10h minuit, moi je suis tout seul, ah ouais je suis tout seul, ma femme elle est ici, donc en fait cette année on a décidé, on a clôturé un peu tout ça, on s'est dit bon on va se prendre des vacances, on va partir dans un endroit joli, magnifique, on a vu à peu près où pour l'instant, mais on vous en dira un peu plus des nouvelles dans les vidéos à suivre. Mais voilà, en fait, cette année, mais vous inquiétez pas, je prendrai pas ce local, mais vous inquiétez pas, je vous montrerai mes amis qui est à côté de moi, qui font les mêmes choses que moi, et il y aura pas de souci, vous pourrez aller les voir. Cet été, je serai au Gros du Roi aussi, moi, c'est pas parce que j'ai mon magasin, je l'ai pas, que je suis pas au Gros du Roi. Gros du Roi, c'est quand même ma ville, c'est là où je grandis, c'est là où je suis tout le temps, je peux pas me passer de là-bas. C'est comme, vous voyez ce que je veux dire? Et quand limite je suis amoureux, ouais quoi, c'est l'été quand je suis obligé d'aller là-bas. Si j'y vais pas, je me sens pas bien en fait. Donc on partira en vacances ailleurs, mais je serai obligé d'aller là-bas beaucoup de fois dans l'été. Voilà, surtout, même je vous dis, il y a ma vie là-bas, il y a tous mes parents, il y a tout le monde là-bas, donc ouais. Donc voilà l'équipe, c'était pour vous annoncer un petit peu ça, que je prendrai pas mon magasin. Mais après, si vous voulez des habits, tout ce qu'il y a, vous inquiétez pas, je vous ferai une vidéo là-dessus, sur tout ce que vous voulez comme moi, si vous voulez, ben, je sais pas, moi, ce que vous voulez, on verra, du Philippe Lind, ce que vous voulez, il y a tout ce qu'il faut, tout ce qu'il faut, là où il faut, donc je vous montrerai l'équipe, mais moi cette année, je ne reprends pas de magasin, voilà, il y a beaucoup de travail, ce que vous ne savez pas, mais j'ai quand même 30 ans, et ça fait presque, on va dire, ça fait ma fille, elle a 6 ans, on va dire, ça fait 8 ans que je travaille magasin, site internet, magasin, 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 j'en ai un peu ras la tête. Et ça fait un petit moment que j'ai envie pas d'arrêter, hein, parce qu'attention, hein, il faut toujours travailler et tout ça, mais là ça va, il y a Abdel que je remercie d'ailleurs, mon bof, qui m'a donné YouTube. C'est pas un truc, voilà, mais pour l'instant ça va, donc du coup ça peut nous permettre de, bon c'est pas pareil, mais ça peut nous permettre de, voilà, de se consacrer un peu plus à YouTube, un peu plus à vous, parce que si j'aurais été au magasin, sachez que YouTube, en fait, c'est ça qu'on s'est dit avec ma femme, le problème il est parti de là, en fait je vais vous expliquer. Le problème, pourquoi il est parti, de que je reprenais pas mon magasin cette année. Parce qu'en fait, ce qui est très dur, c'est, regardez, YouTube, je suis tout seul. Je suis tout seul avec ma femme et ma fille, quoi. On fait des vidéos, nani, nana. On est tout seul, il n'y a pas quelqu'un qui me fait mes vidéos, mes montages. Le montage, c'est ma femme, voilà. Et je me suis dit, cet été, en fait, si là, je m'en vais, là. Comment je vais faire mes vidéos? Comment je vais faire mes montages?
Ouais, comment je vais faire tout ça en fait? Vous voyez ce que je veux dire? Si je travaille 10h minuit, vous vous rendez compte, 10h minuit en train de travailler toute la journée, puisqu'il y a du monde quand même, vous vous rendez compte, il y a 30 000 personnes, 40 000 personnes par jour là-bas dans les... sur la côte. Vous savez, quand vous y allez, hein, vous avez dû y aller. Hein. L'été, vous voyez le monde qu'il y a quand même. Et en plus, faire des vidéos, ma femme qui est ici, il lui a envoyé, elle les... Vous imaginez le truc en fait, comment ça aurait été presque limite impossible. Et comme je vois que, franchement, vous êtes tous les jours nombreux, nombreux à venir, à suivre ma chaîne. Et franchement, je vous en remercie, vous êtes un paquet. Donc, j'ai dit à ma femme, bon, comment on pourrait faire pour avoir les deux, associer les deux? Je me suis dit, bon, ben le mieux, en fait, c'est quoi? Soit j'arrête YouTube pour l'été, c'est pas possible. Je peux pas vous abandonner comme ça, je peux pas vous laisser... je peux pas laisser 180 000, voilà, on a 180 000, d'ici un mois, deux mois, je sais pas combien on sera, mais vous imaginez, je peux pas vous laisser maintenant que j'ai pris ce chemin-là, je peux pas vous abandonner en plein chemin, je peux pas dire, bon, allez, je fais pas des vidéos, je vous fais une vidéo, excusez-moi, l'équipe, on se retrouve au mois de septembre. Vous voyez ce que je veux dire? On a dit avec ma femme, c'est pas possible, je peux pas vous abandonner comme ça, nous, pour nous, ça serait trop dur de garder les deux, ouais, magasin, voilà, donc en fait l'année prochaine je vais essayer de voir, je prendrai peut-être un vendeur, tout ça, des fois je prends, mais sachez que ça coûte cher, prendre des vendeurs, donc des fois ça, c'est pour ça qu'on a calculé en fait le pour et le contre, et on a vu que le mieux c'était de ne pas prendre le magasin cette année, de voir comment ça évoluait la chaîne, de voir comment ça se passait, parce que d'ici l'année prochaine autant, soit ben, on sera au top du top, comme là on est en train de monter, soit on verra bien, on ne peut pas voir dans les jours à venir, dans les années à venir, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, en fait, voilà, c'est pour ça qu'on a préféré ça. Mais après, tout ce qui est, vous inquiétez pas, tout ce qui est, je vous montrerai pour acheter des trucs, tout ce que vous voulez, c'est tous mes amis, je vous mettrai des codes promo, il n'y a pas de souci, vous verrez. Je vous ferai une bonne vidéo avec 2-3 magasins. D'ailleurs, il y avait une vidéo quand j'étais allé l'autre fois de mon collègue Hamza, H-Style, qui lui fait beaucoup d'habits bien pour les jeunes, tout ça, comme un peu je fais moi. Mais voilà, l'équipe, donc en fait, c'était surtout ça. On a fait le pour, le contre, YouTube, magasin. Préférez quoi? Entre vous et moi, préférez quoi? Hein? Même vous, je sais, vous voulez pas que je vous lâche. Du moins, j'espère l'équipe. Donc voilà, moi j'ai décidé de pas vous lâcher. C'est un choix dans ma vie que j'ai fait parce que je vais pas vous mentir quand même. Les magasins, c'est ce qui, du moins travailler, c'est ce qui me rapporte vivre, manger. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui m'amène mon toit sur la tête, c'est ça qui vous amène tout, c'est travailler, il faut travailler dans la vie, il faut s'en donner, on va pas mentir, franchement, les jeunes, il faut y aller à l'école, il faut travailler, tout ça, parce que sinon après vous en chiez derrière, croyez pas ce qu'ils vous disent vos parents, quand ils vous, c'est pas contre vous, moi je vous le dis, moi ma fille, c'est l'école, c'est pas contre elle, hein. Elle verra plus tard, vous verrez plus tard, mon Dieu, moi quand j'étais jeune, ah maman à l'école, tu me saoules avec ton école, ah maman à l'école, ah maman ci, ah maman ça, on verra plus tard. Mais en fait, quand vous grandissez, ça passe vite, 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 vite. Et quand vous en êtes là, voilà. Donc comme je vous dis, moi j'ai travaillé, ça fait peut-être 8 ans que je travaille pour moi. Des sites, des machins, des magasins, des sites, des mille. Là j'ai YouTube en plus, qui s'est greffé dans ma vie. Ça j'en suis très très content. Franchement ça c'est le truc que mon beau-frère, le plus beau cadeau qu'il pouvait me faire, entre guillemets. Vous voyez, cadeau, c'est franchement... Je t'en remercie, mon bof, mais voilà, c'est pour vous dire, donc j'ai pas envie de vous lâcher comme ça, avec tout le travail que j'ai fait, tout le travail qu'il m'a donné Abdel, tout ce qu'ils ont fait l'IA, tout ce qu'a fait ma femme, en fait, on a dit tout ce que... On n'a pas envie de lâcher, voilà, on n'a pas envie de lâcher ça. Le magasin, je sais que ça, c'est un local, vous verrez, c'est un local, en fait, donc on loue le local, il est... Voilà, donc je l'ai loué depuis des années, c'est à nous, c'est... Voilà. Donc... Ça, on peut le refaire l'année prochaine, donc je peux essayer de voir comment ça tourne YouTube, je peux essayer de voir tout ça, donc peut-être que l'année prochaine, on y sera encore, mais peut-être que je vais faire aussi un truc, il y a peut-être des trucs en secret aussi qui vont sortir. Vous voyez ce que je veux dire? Le bof, il est malin, comme la chaîne commence à monter, il y a peut-être des trucs qui vont sortir, tac, 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 vous voyez ce que je veux dire? Je peux pas trop vous en dire encore, mais voilà, on peut... Ouais, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, il y aura des bonnes nouvelles pour vous. Cet été, on va se faire des bonnes petites vacances ensemble. Parce qu'on a choisi un bon petit truc, comme je vous disais. Comme ça, en même temps, on a le pour, le contre. Magasin, YouTube, vous. Magasin, j'ai choisi vous, j'ai choisi YouTube. Et comme ça, en même temps, vous. Ce qui est bien, je vous en remercie. C'est du coup, en faisant cette balance, on a vu qu'en plus, on pouvait partir en vacances. Du coup, se donner un petit peu de vacances pour nous. Des belles vacances. Et en même temps, vous en faire profiter à vous. Vous avez vu la balance, elle n'a pas trop duré pour le magasin. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà.
Je peux pas vous lâcher comme ça. Je peux pas ci, je peux pas ça. Mais l'équipe, donc on se rejoint bientôt au Grand du Roi. Je vous dirai quand dans des vidéos, vous inquiétez pas, ça viendra. Je vais descendre dans pas très longtemps. Donc voilà l'équipe, c'était pour vous annoncer cette petite nouvelle quand même. Il fallait que je vous l'annonce, que je vous dise que je préférais entre guillemets vous que mon magasin pour l'instant, que je peux pas vous lâcher comme ça. Et vous êtes rentré dans ma vie maintenant et vous y êtes, vous êtes avec moi, je suis avec vous et je vous lâcherai pas. Donc voilà l'équipe, n'hésitez pas à partager, commenter, liker pour plus de vidéos. Merci beaucoup à vous, ciao l'équipe.